4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établie dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Star Indy et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la Révolution. La All Elite Wrestling est née. Yup tout le monde, c'est Dico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 40, et oui déjà, de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016 au mois de novembre 2007. Au programme du jour, le booking complet du 11e mois de l'année, non pas 8 mais 9 shows, puisque oui bien sûr nous avons notre événement spécial Blood and Guts, le dernier pay-per-view de notre année. On s'était laissé lors du dernier épisode sur un main event entre les Steiner Brothers et El Jericho, avec en jeu la place de challenger numéro 1 pour les titres par équipe et un match de championnat face à Amazing Power, Claudio Castagnoli et Amazing Kong. Dans le prochain Dynamite que l'on va se booker, les Steiner Brothers, eh bien, ont fait leur arrivée. Alors certes, Scott Steiner, il était déjà là depuis un petit moment, mais Rick est arrivé et les Steiner Brothers sont reformés. Et surtout, ils ont une opportunité au titre et viennent coiffer au poteau. El Jericho qui n'en demandait clairement pas tant. On va bien sûr tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez que mes broadcasts, comme en fin de vidéo, bien, n'ont toujours pas été renouvelés parce que il va falloir que je réfléchisse encore à ce que je vais faire. Toujours des mineurs Omar Alissus pour la plupart, donc des catcheurs que vous voyez à l'écran, notamment Roddy Piper qui est quand même un très gros nom. El Generico d'ailleurs aussi a des petites Moralissus, peut-être par rapport au fait qu'il était éloigné de Dynamite ces dernières semaines à cause de sa blessure. Enfin bref, on va partir désormais pour le premier show de notre vie. Puisque c'est Moralissus, je les traiterai lorsque l'on aura été au moins en balance plutôt positive ou en balance équilibrée à la fin de ce mois. 77% donc de backstage rating du côté des locker rooms, donc de Rampage. On va tout de suite voir ce qu'il s'y passe. Incident impliquant Roddy Piper et Kip James, ça c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Roddy Piper, a priori, a été violent avec notre ami Kip James, et derrière, forcément, une bagarre a découlé de cette violence de l'ami Roddy Piper envers Kip James, et je suis obligé d'aller envoyer un fine, je peux pas faire autrement. Roddy Piper est pas content de l'action, Travis Fimmel est content de mon action, forcément toutes les personnes que l'ami Kevin Nash a retourné contre Roddy Piper sont contents. Et j'imagine que l'ami... Oula, dis donc, il y en a beaucoup. Et l'ami Kip James est content de la décision que j'ai prise. Super, tout va bien. Décidément, il n'est pas apprécié, notre ami Roddy Piper, il va se retrouver seul dans les backstage. Chamille Stitch, qui a priori, elle aussi, a causé un incident avec Maryse. Elle a été violente avec cette dernière, et là aussi, une bagarre est intervenue dans les backstage. Bon, qu'est-ce qu'ils ont tous à se mettre sur la gueule? Ça va être fine. Hein, Maryse est contente de la décision et Tamini Stitch n'a pas réagi outre mesure. Déjà qu'elle a un peu de tension avec moi, je suis content de voir que nos relations ne sont pas aggravées après ce petit incident traité. Iaboon Kunti Fairgrounds devant 959 pèlerins dans notre arène mère du Midwest, région où on est le plus populaire, et nous démarrons avec un Ted DiBiase Senior qui fait donc l'ouverture du show, et ça fait une très petite note parce que même si Ted DiBiase Senior est très populaire, il parle de garçons qui le sont beaucoup moins, mais Ted DiBiase Senior, et bien dans ce segment, micro à la main, va tenter de mettre over son main event entre Money Incorporated 2.0 et les frères Briscoe. Ça marche absolument pas, très clairement. La foule n'était pas enthousiaste malgré le fait que Ted DiBiase Senior est plutôt bien performé dans ce segment, mais bon, l'essentiel c'est d'avoir fait l'effort, d'avoir essayé de promouvoir ce match qui sur le papier faut pas forcément très rêver, et le match qui suit non plus, il fait pas rêver du tout. On fait 15 entre AJ Lee et Lacey Van Erich, match abyssal. Bon, alors, on a compris, c'est de Chobé, même si on a quand même des meilleures notes que ça par le passé. Lacey Van Erich qui a fait ses débuts, on s'en souvient la semaine dernière, fin de vidéo, donc
ce 39e numéro, hein, qui est sorti la semaine passée. Et Lacey Van Der Riche avait battu, on se souvient, Serena Deeb, mais là, bah, elle affrontait Jelly, qui aussi avait un peu de momentum. Et bah, Lacey Van Der Riche va défaire Jelly, hein, via pinfall après avoir utilisé un objet contendant. Hein, 6 minutes 06, format télé, elle utilise un objet contendant dans le dos de l'arbitre. Et elle fait le tomber victorieux sur Jelly, performance de 17 pour Jelly, performance de 8 pour Lacey Van Der Riche. Voilà, c'est absolument nul à chier. Ah, voilà un segment qui est quand même mieux. Ted DiBiase Senior, Barbara Keenan et Bobby Roode. Voilà, Ted DiBiase Senior dans son bureau avec Barbara Keenan, on fait des petits bisous, machin. Et puis là, Bobby Roode arrive. Bobby Roode avec un grand sourire, un champion. La semaine dernière, il a amené Shannon Moore dans le main event. Bon, certes, l'autre n'a pas gagné, mais bon. Hein. Et Ted DiBiase Senior est furieux, furieux du comportement de Bobby Roode, hein, qui a tout simplement eh bien, donné une opportunité à un garçon extérieur de la compagnie. Dans le main event, hein, Shannon Moore n'était pas du tout prévu au show selon Ted DiBiase Senior, et puis surtout, il a donné sa parole à Bobby Roode que Brandon Tommasoni, pardon, allait avoir un match de championnat, et tout doit passer par Ted DiBiase Senior, donc ça énerve Ted DiBiase Senior qui clairement sermonne l'ami Bobby Roode. Il pensait pas mal faire et tout, donc il est un peu dans ses petits souliers, il ferme son clapet pour le coup, et Ted DiBiase Senior lui annonce que eh ben, il va devoir tenir sa promesse et que la semaine prochaine il va falloir défendre ce titre face à Brandon Tommaselli. Voilà. Storyline, Money Man gagne le tout va bien avec ce segment, un bon 69, on va quand même pas s'en plaindre. Et enfin le main event qui fait un 36, clairement c'était pas un bon show, les Briscoes face à Money Incorporated, match terrible, et ça va faire un match nul. Voilà. Les deux équipes, au bout de 11 minutes 39, vont finir par péter des plombs, et l'arbitre va perdre le contrôle du match, il va prononcer une double disqualification, 36, comme ça au moins ils vont arriver avec des opportunités dans le show A, Money Incorporated et les Briscoes, sans véritablement avoir un manque de momentum pour l'une des deux équipes. Donc voilà, c'est du booking... 50-50, mais bon, je pouvais pas me permettre de faire autrement. Des performances de 32 et de 30 pour les frères Briscoe et de 27 et 43 pour James Keenan et Tommaso Ciampa. Ça casse pas trois pattes à un canard et je pense que la note globale du show, on fait un 40. Clairement, je crois que c'est la première fois qu'on fait une aussi mauvaise note sur un Rampage, même si je rappelle quand même que c'est le show B. 0.05 de TV rating, les petits potes, et 42 800 viewers via notre chaîne de TV MTV2. On est à peu près eh bien, dans les mêmes eaux que la semaine dernière en termes de TV rating et surtout en termes eh bien, de show rating global. Bon, on va pas se le cacher, j'attends quand même un petit peu mieux, essayer de passer au moins les 50 de notre générale, parce que même si c'est le show B, c'est vrai que là, on va pas se le cacher, ces deux dernières semaines en termes de rating, c'est un peu léger. TX Citibank Coliseum devant 6583 pèlerins, nous sommes dans le Mitsouf et vous voyez la note 90, elle est bien bleue, mais surtout vous voyez le retour d'un ancien champion de la All Elite Wrestling, certes sur une courte période, mais enfin quand même, il est là, vous voyez bien de qui je veux parler, vous l'avez face à vous, mais avant d'en dire un peu plus, parlons de comment s'agence ce segment Kevin Nash présent dans le ring, et oui la semaine dernière il avait fait une grosse promo, on s'en souvient à la fin de l'épisode dernier. Ouais, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de respect sur mon nom, on me donne pas des adversaires à ma mesure, le public ne me respecte pas, mes protégés, Tyler Black, John Moxley non plus, enfin bref, Kevin Nash, il prône aujourd'hui un irrespect total de tout le monde envers sa personne. Et Paul Heyman, il a envie de parler aussi d'irrespect, puisque bah, Kevin Nash va sur ce terrain-là, et Paul Heyman lui dit que Kevin Nash ne respecte pas la All Elite Wrestling. Il respecte pas son statut de champion, le mec a fait 8 défenses de titre en presque un an, c'est très peu, ça lui rappelle l'irrespect dont AJ Styles a fait preuve lorsqu'il était champion, pas vouloir défendre son titre, en faire le moins possible pour gagner le plus d'argent possible. Enfin bon, et Paul Heyman, il fait tout un speech sur l'irrespect de Kevin Nash par rapport à sa fonction de champion et à l'encontre aussi de la All Elite Wrestling. Et Paul Heyman lui dit que la semaine dernière, quand il a parlé de manque de concurrence, et ben Paul Heyman a tout fait pour lui en donner. Ah, il l'a pris au mot. Et il va faire revenir la seule personne que Kevin Nash n'a vraiment jamais battue. Hein, jamais épinglé au centre du ring, 1-2-3. Le seul homme dont Kevin Nash a peur, Steve Austin. La musique, le bris de glace, les gens qui se lèvent comme un seul homme. On va balancer des bières, on en boit quelques-unes, on en offre une à Paul Heyman. Kevin Nash qui, comment ça, c'est pas possible, ce mec-là, challenger, t'es pas content de la décision de Paul Heyman. Il a battu deux fois, Kevin Nash. Bah oui, techniquement, dans le record book, il l'a battu deux fois. Ah, même si c'était par filouterie. Donc il veut pas affronter un mec qu'il a déjà battu. Et Steve Austin, il est pas là pour parler. Il arrive, il s'approche de Kevin Nash, stoner, tout le monde est fou.
On balance des bières rondes en bois, retour de Steve Austin. Kevin Nash improvise très bien durant ce segment, tout comme Paulie Mann. Steve Austin bah, qui revient avec une gimmick de badass et Billy Overage, on aura le temps, bien évidemment, de la tweaker pour permettre à cette dernière d'évoluer dans le bon sens. Et la storyline Dark Angel qui avait vraiment perdu de la hit, et bah là, vont regagner avec le retour de Steve Austin qui se positionne pour le titre mondial de Kevin Nash. Derrière, Shayna va faire face à Gay Kim et Chantelle Taylor dans un match handicap. Handicap qui est défini comme pauvre, mais quand même 57. Et Shayna va faire qu'une bouchée de Gay Kim et de Chantelle Taylor. Pourtant, Gay Kim et Chantelle Taylor, elles vont se battre, tu vois, elles sont vaillantes. Mais au bout de 7 minutes 14, Shayna, elle aura raison de leur combativité. Elle va défaire Chantelle Taylor avec le pedigree. À tomber 1, 2, 3. 58 de performance de Shayna, hein, quand même, il faut le rappeler. 39 pour Chantelle Taylor, qui débute sa gimmick de fan favorite et c'est average, c'est intéressant de le noter. Gay Kim 43. Mais après ça, eh ben, on a Shayna qui va faire mine d'aller, encore une fois, faire démonstration de sa puissance sur les deux filles qu'elle vient de battre. Seulement Jetta, elle va intervenir. La championne, là, qui a failli se faire prendre en grippe par Shayna la semaine dernière avant l'intervention des Amazing Kong, elle en a marre. Elle en a marre, elle va confronter Shayna, hein, eyes to eyes. Alors, ok, il y a une différence du gabarit, mais elle se dégonfle pas, Jetta. Et elle va lui dire au micro, attends, qu'est-ce que c'est ton problème, là? Tu es en train de décimer tout le monde, de blesser tout le monde. C'est pas possible, tu peux pas continuer à faire ça. Ces filles-là font partie du roster, je suis la championne de ce roster et je me dois aujourd'hui de protéger ce roster féminin. Tu vois, on sent que Jetta, elle a envie, quelque part, d'être un petit peu l'étendard de cette division féminine et de veiller à la bonne santé de toutes les filles qui composent ce roster dont elle est la championne, parce que Shayna, aujourd'hui, est une menace. Donc Jetta Shayna, bah, on est en train de se positionner quand même pour un futur affrontement. Qui sait? Bah oui, attention, hein, sans déconner. Derrière, Bryan Danielson contre Kevin Steen. Elle fait 80, gros banger comme ça, donné gratos. J'ai mis ce match en Steals the Show. Je pense que j'ai bien fait. Plutôt bon match, hein. Effectivement, c'est défini comme tel. Christopher Daniels est à la table des commentateurs. Et Bryan Danielson va défaire Kevin Steen en 11 minutes 35 via pinfall avec le Dragon Suplex après la distraction de Travis Fimmel. Comme ça, on fait avancer. Et bien, les deux storylines, El Jericho contre le Young Wolf. Parce que les Young Wolves ont toujours envie de faire chier El Jericho, même s'ils se prennent quelques branlées. Et Champion Slayer, bah forcément, hein, les storylines qui impliquent Bryan Danielson à Christopher Daniels, bah, avancent aussi, forcément. Parce que bah, y a la présence du champion TNT aux abords du ring. Derrière, Scott Steiner et Rick Steiner, les Steiner Brothers, vont tabasser la gueule de Roddy Piper. Ils vont le balancer, hein, sur, vous savez, les grosses caisses où il y a du matériel, ils vont lui faire tomber un échafaudage sur la gueule. Roddy Piper, le manager d'Amazing Power, Kong et Castagnoli, il va se faire décimer la gueule par Scott et Rick Steiner, qui eux n'ont pas envie de parler, ils ont envie d'agir, et selon moi, ça va marquer clairement le heel turn de l'ami Scott Steiner, qui ne marche pas particulièrement bien. Voilà, parce que peut-être pas assez bien construit, peut-être un peu trop obvious pour les gens, mais bon, je l'ai quand même un petit peu construit ce turn, en tout cas dans mon sens, hein. On rappelle, il gagne en grugeant, puis là il défonce l'ami Roddy Piper, alors que ce garçon est face avant l'affrontement face à Amazing Power. Je pense quand même qu'il y avait des arguments pour le faire tourner maintenant, mais bon, apparemment ça n'a pas fonctionné auprès du public, tant pis. George Frankenstein dans un petit segment plutôt léger, petit striptease 66, avant le main event, histoire de détendre l'atmosphère et de faire plaisir bien sûr à ces messieurs dans la salle. Et enfin le main event qui fait un bon 77, match que j'ai mis en storytelling, histoire, il fallait un match de storytelling, je me suis dit allons-y, pourquoi pas, comme ça on se grille pas une potentielle future affiche éventuelle, avec les Steiner Brothers contre Amazing Power, premier du nom, match décent, pas de hit particulière enregistré, 77 quand même, avec des performances, bon, j'allais dire plutôt bonne, mais bon, quand tu vois Rick Steiner 33, bon, faut que le temps que le garçon se refasse un petit peu au ring, hein, le garçon est un peu rouillé. 92 pour Scott Steiner, 67 pour Claudio Castagnoli, 60 pour Amazing Kong, match décent qui va durer 16 minutes 27. J'ai laissé beaucoup de temps pour un match storytelling, c'est peut-être d'ailleurs pénalisant, et qui va se terminer avec, eh bien, la victoire de Scott Steiner sur Claudio Castagnoli via pinfall avec les pieds dans les cordes, mais surtout ce qui est très intéressant de noter, c'est que Amazing Kong a été distraite par Shayna à la fin du match et qu'Amazing Kong a laissé Claudio Castagnoli tout seul à la fin du combat. Amazing Kong qui est obnubilé par Shayna, clairement. Et Claudio Castagnoli qui n'a pas compris, qui a dit mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Et forcément, dans le dos, vous imaginez bien que derrière, les frères Steiner ont fait ce qu'ils savaient faire de mieux, c'est-à-dire tricher. Ils sont mis à 2 contre 1 sur Claudio Castagnoli, tombé 1, 2, 3 avec les cordes comme appui. L'arbitre s'en est pas rendu compte. Et les Steiner Brothers sont les nouveaux champions, donc tag team de la All Elite Wrestling. Et oui, nous avons de nouveaux champions par équipe. Les Steiner Brothers prennent donc le pouvoir de la division tag avec
un 78 de rating plutôt satisfaisant à la fin donc de ce show, et ça nous permet d'améliorer notre popularité dans les 15 régions où nous sommes diffusés, ce qui va quand même, on va pas se le cacher, être une bonne chose, hein, parce que c'est vrai qu'on dresse quand même sur un Rampage plutôt moyen, alors que là le jeu a bugué sur le profil, bah, on n'aura pas eu le temps de le voir, du coup, hein, un profil d'un worker japonais. J'imagine. TV rating de 0,65. Alors on va tout de suite se tourner vers le détail complet. 487 860 viewers. C'est un petit peu moins bon que la semaine dernière. Et pourtant on fait la même chose, 78 au niveau du rating. Bon, les gens étaient peut-être un petit peu moins concernés, c'était dans le mid-souffle, il y avait une petite une moins bonne ambiance. Bon, voilà, un peu moins concernés, mais ça reste quand même un bon show qui va nous permettre eh ben, d'améliorer notre popularité, surtout notre importance dans les diverses régions où nous sommes diffusés, qui sont, je rappelle, au nombre de 15 quand même. Et oui, on a réussi à décrocher des bons deals TV. Pas de news sur la dernière semaine écoulée, ni même d'incident backstage à traiter, donc on se retrouve directement au Yabun County Fairgrounds dans le Midwest pour le deuxième Rampage du mois de novembre 2007. Nous sommes devant 970 pèlerins et nous démarrons le show avec un bon 65 de rating. Et je pense que sans trop prendre de risques, je vais pouvoir vous dire qu'on va faire un meilleur show que celui de la semaine passée. Enfin, tu me diras, vu le rating, c'est pas bien dur. Tamilin Stitch qui est dans les backstage et qui a son micro, Brandon Tomaselli qui va recevoir ce soir dans le main event un match de championnat intercontinental. Continental, Brandon Tomaselli, tout mignon, tout poli, tout courtois, tout timide, qui espérait ce soir faire bonne figure et pourquoi pas avec l'appui du public aller chercher le titre intercontinental. Voilà, discours d'un face de base qui est pas trop gimmické, et Bobby Roode va venir l'interrompre en lui disant que c'est le plus grand moment de sa vie, mais qu'il est destiné à perdre face au champion ce soir dans le main event pour mettre encore un peu plus over Bobby Roode et surtout le prestige de son titre intercontinental. 65 de rating, c'est plutôt bien. Ça permet eh bien, de promouvoir tranquillement ce match donc dans le main event. La storyline Money Man gagne de la hit. La performance de Bobby Roode a été fantastique. Et Brandon Tomaselli apparemment a fait du bon boulot hors script. Voilà, hein, que demande le peuple. 65, c'est un bon début. Derrière, Colt Cabana va faire face à Ken Anderson. Voilà, petit match sympathique, comme ça on teste l'alchimie. Et ça fait un bon petit match de 52, même si c'était fini comme pauvre. Colt Cabana qui va défaire Ken Anderson en 7 minutes 49 via pinfall avec le Colt 45. Je vais y arriver, pourquoi je veux dire 55, j'en sais rien. Je bug à chaque fois avec la prononciation de cette prise de finition. Bref, victoire donc de Colt Cabana qui fait une performance de 60. Très bonne performance quand Ken Anderson fait seulement un 19, et on fait un bon 52 de rating RAS. Ensuite, Tamilin Stitch eh bien, est avec Rain dans les backstage. Rain qui, on rappelle, a été attaqué il y a quelques semaines par son ex-compagnon, l'ami Kevin Nash, qui a perdu face à Serena Deeb et qui a encore perdu là via roll-up face à Edgy, et la confiance n'est pas là, elle a dû prendre un petit peu du temps pour elle, mais elle est présente, Rain, elle veut remonter sur le cheval et... voilà, elle veut continuer à garder cette effigie de la division féminine, elle veut continuer à être vraiment propulsée comme étant la leader de cette division, et la semaine prochaine, elle veut encore une fois prouver son point, sauf qu'elle va se faire interrompre par Lessie Von Erich, qui va lui dire, ma grande, il y a un peu de l'eau qui a coulé sous les ponts, là, depuis que t'es partie en dépression, hein, moi, j'ai gagné des matchs face à Edgy, face à Serena Deeb, tiens, les filles que t'as pas réussi à battre, et comment te dire, se positionner comme étant la visage de la division féminine de Rampage, c'est un petit peu fort de café, surtout que t'es en train de perdre la confiance du locker room. Et Rain, qui sent un peu un ton menaçant de Lessie Van Erich à son égard, lui dit écoute, la semaine prochaine, on va faire équipe toi et moi, et je vais te prouver que je suis encore digne de confiance et surtout que je suis encore le visage de cette division féminine. 48 de rating. Pas de soucis, pas d'angoisse, et on essaie de créer une petite storyline, pourquoi pas, un petit peu dans la division féminine, même si voilà, il n'y a pas de rivalité à proprement dite. Non. Et enfin, le main event qui fait un très bon 56, je suis content de cette note, match avec du bon catch, enfin du décent catch, et pas beaucoup de hits. Ah bon, c'est normal, c'est le showbé, Brandon Tomaselli, il n'est pas encore très populaire. J'ai laissé du temps 11 minutes 10, voilà, match en storytelling, il y a des bonnes performances, 67 de Bobby Roode, 42 de Brandon Tomaselli, et c'est Brandon Tomaselli qui va remporter la victoire face à Bobby Roode via un roll-up. Et oui, un compte rapide, Brandon Tomaselli va devenir le nouveau champion intercontinental de la All Elite Wrestling. Bobby Roode, il n'en revient pas, Brandon Tomaselli prend la ceinture, il se casse. Il a les yeux écarquillés, il comprend pas ce qui vient de se passer, mais il a la ceinture, il entend son nom. Nouveau champion intercontinental, Brandon Tomaselli, le nouveau champion du côté de Rampage. Et ça nous fait un bon 57 de rating. Voilà, ça c'est du bon booking. Ça, c'est du bon résultat. Je l'ai dit, il faut dépasser les 50 pour le choper. On a 57, on a tutoyé les 60.
Ça, c'est bon. C'est bon pour le business, c'est bon pour l'expansion de notre chose secondaire. Alors, il y a a priori des incidents avec Scott Steiner, un deal avec la TNA. Ouais, parce qu'apparemment, y a une alliance. Bon, pourquoi pas? Claude Castagnoli, pareil, il va aller à la TNA. Hein, parce qu'il y a une alliance qui a été faite entre la TNA et la ROH pour qui il bosse. Rampage a fait 0,06 de TV rating. On va aller tout de suite aller voir ça. Et effectivement, on fait 46 510 viewers. Ce qui est largement plus que la semaine passée, on a gagné en qualité. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une signature de contrat? Retour de BG James. Eh oui, qu'on vient de piquer. Je voulais pas montrer à la caméra. Une grosse négociation à la TNA, enfin face à la TNA, il avait terminé son contrat et j'ai réussi à m'attacher les services de BG James qui va revenir en face. Voilà, contrat de 5 ans, 15 500 $ par mois, en face bien sûr. Hein, je pense que vous voyez où je veux en venir, mais on va pas l'avoir tout de suite. On va pas l'avoir tout de suite, pourquoi? Parce que 24 jours encore, hein, oui, il faut le temps que la TNA tisse sa sortie et écrive cette sortie. Mais on va retrouver BG James et on va pouvoir. Bien sûr, vous l'imaginez, reformer cette formidable équipe des New Age Outlaws. Eh oui, attends, on va pas se priver. Quitte à le reprendre, autant reformer l'une des plus grandes équipes de tout le temps. Bah oui, attends, à un moment donné, soyons sérieux. Allez, on est parti pour le deuxième Dynamite de ce 11e mois de l'année. On est bien sûr au Emo Shea Fates Arena devant 10 600 pèlerins, toujours dans le Midwest, là où on est le plus populaire. Et on démarre avec un gros 80 de rating. Et Steve Austin qui fait son apparition, le bris de glace, les gens qui se lèvent comme un seul homme, on distribue des bières, les gens qui scandent des Austin, 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 qui, on le rappelle, a fait son retour la semaine dernière du côté de Dynamite après des mois et des mois d'absence. Et Steve Austin nous explique les raisons de son retour. Dans la fédération de l'élite, il est là pour deux choses. Botter le cul de Kevin Nash, qui, on le rappelle, a fait preuve de pas mal d'irrespect, de roublardise pour mettre fin à sa rivalité avec Steve Austin et garder son titre. Et puis surtout, pour aller chercher ce fameux titre de l'élite, puisque Steve Austin a été champion, mais n'a pas eu un très long règne. Et Steve Austin veut devenir ce champion à l'image du peuple et surtout être un champion combatif, ce qui manque clairement à Kevin Nash. Et Steve Austin, il est fin chaud et Paul Heyman voit une opportunité de faire augmenter les ratings parce que business is business et puis il veut ce qu'il y a de meilleur pour son business. Et Paul Heyman annonce que ce soir il y aura une petite preview de ce qu'on va retrouver du côté de Blood and Guts avec un match par équipe Kevin Nash et Bryan Danielson qui vont faire face à Christopher Daniels et à Steve Austin. On mixe les programmes, théorème de la WWE, ça marche toujours bien, 80 de rating. Polyman qui a fait du super boulot et qui a paru très bon aussi dans ce segment et des storylines qui avancent et qui gagnent de la hype. Ah, que demande le peuple? Derrière, El Jericho vont faire face à Money Incorporated. Et oui, ils ont gagné leur droit de revenir de manière régulière du côté de Dynamite. Et voilà, et ils sont là, ils sont présents. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on aura les Briscoe qui vont affronter les frères Steiner plus tard dans le show. Et là, ça fait un bon 76. Match décent, hein, j'ai mis ça en régular. Pas beaucoup de hits, c'est vrai. Mais El Jericho qui vont prendre une belle victoire. 9 minutes 27 de combat. Quand El Jericho va bien sûr défaire James Keenan via Pinfall avec le Brainbuster. Voilà, en termes d'in-ring work, la performance de 86 de Kevin Steen qui s'est envolée. 66. 68, que dis-je, Del Generico, 46 de Tommaso Ciampa, et James Keenan qui dépasse difficilement les 31. Derrière, il y a une confrontation entre Jetta et Shayna. Jetta, elle fait tout un speech en disant que ce qui se passe, c'est clairement pas normal. Que Shayna nous rappelle bizarrement la Amazing Kong d'il y a quelques années, lorsqu'elle était dans le côté obscur de la force et que elle attaquait tout le monde en blessant toutes les athlètes. Et Jetta, ça, elle le refuse. Elle ne veut pas que sa division féminine, dont elle est la championne, soit décimée. Mais Shayna va la couper. Elle va être accompagnée de Ted DiBiase Senior, qui va se faire entourer par la sécurité qui veut, bien sûr, l'emmener à l'extérieur du building parce qu'il est normalement banni de Dynamite, sauf que Ted DiBiase Senior, il vient pas là en tant que figure d'autorité ou en tant qu'employé, absolument pas, il vient en tant qu'avocat. Donc, voilà, il a une lettre officielle, machin, de mandat, ok. Donc, Ted DiBiase Senior, il est tranquille, il est le nouvel avocat de Shane. Et Ted DiBiase Senior va interpeller Jetta en lui disant: la semaine dernière, tu parlais d'aspiration et que c'était quoi le but de Shayna avec toutes ses attaques. Et bien le but c'était de remonter jusqu'à toi et d'avoir ton attention. Et on l'a eu, parce que Shayna, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement d'aller battre des sous-fifres, hein, c'est pas tellement de les blesser ou de montrer la puissance au public. Non, elle n'a rien à faire de tout ça. Ce qui l'intéresse, c'est le titre.
C'est le titre. Et Jetta, qui recule devant rien, annonce qu'elle sera prête à remettre son titre du côté de Blood and Guts face à Shayna. Elle l'a fait face à Amazing Kong. Pourquoi elle ne le ferait pas face à Shayna? Bah attends, il n'y a aucune raison. Jetta, elle est chaude. Et Teddy Biasi Senior, il n'aura pas eu beaucoup besoin d'insister pour obtenir à sa cliente un match de championnat pour le titre féminin. Très bon segment, 66 de rating. La performance de Teddy Biasi Senior, je pense, a beaucoup aidé. Et ça va permettre de mettre encore un peu plus en lumière cette division féminine alors que Jetta a fait un super travail. Derrière, les Steiner Brothers face aux Briscoes, et bah ça fait un bon 75 aussi, un match que j'ai mis en tant que Styles de show. Bon, est-ce qu'on pouvait vraiment voler le show avec les Briscoes, j'en sais rien. Mais en tout cas, match décent, et les Steiner Brothers vont défaire les Briscoes en moins de 10 minutes, 9 minutes 50, quand Scott Steiner va défaire McBriscoe via pinfall avec le Steiner Razor, 75 de rating, performance de 97 de Scott Steiner, quand Rick est à 39, mais ça va augmenter petit à petit, des performances de 33 et de 30 pour les frères Briscoe. Derrière, Bobby Billard fait un petit striptease, hein, histoire de détendre l'atmosphère, segment un petit peu léger avant le gros main event, l'énorme banger, qui va nous faire un gros 82, pourtant j'ai mis ça en storytelling, hein, tu vois, histoire quand même de pas trop me griller par rapport à ce qui va se passer du côté de Blood and Guts, match avec une fantastique hit, du grand catch, 13 minutes 53 de combat, on aura laissé un petit peu de temps, format télé bien sûr, hein, 82 de rating. Avec des performances in-ring qui sont bonnes, hein, 83 de Christopher Daniels, Steve Austin pour son retour, qui était peut-être un peu rouillé, enfin 75, 77 pour Bryan Danielson. Bon, Kevin Nash, on l'a bien compris, on dépassera jamais les 65, 64 de rating, mais un gros 82 quand même de rating général pour ce match qui va se terminer par double disqualification. L'arbitre Earl Hebner aura complètement perdu le contrôle de la rencontre, puisque bah, Steve Austin, Kevin Nash, il y a une grosse histoire, ils n'arrivent pas à se contrôler, ça finit en grosse baston, et puis Christopher Daniels, Bryan Danielson, Nielsen, bon, on sait que voilà, il y a un petit peu des tensions et un peu pris par ce qui se passait autour de Steve Austin et de Kevin Nash, on en fait autant, et puis l'arbitre a complètement perdu le contrôle. 82, comme ça, tout le monde reste fort. Voilà, hein, Booking théorème d'Euro. 78 de rating, et on améliore bien sûr la popularité dans les 15 régions où on est diffusé, alors que j'ai beaucoup de messages. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voulez pas hein, arrêter de m'emmerder pendant que je suis en train de faire ma vidéo, c'est fou ça, y a jamais personne qui t'embête, hein. Des fois t'es pas emmerdé par personne, les gens oublient que t'existes, et là quand tu fais un truc que t'es pris, t'as 36 000 messages, je sais pas si vous arrivez aussi, dites-le moi en commentaire. Donc, télé rating de 0.63, c'est plutôt pas mal, et on a Scott Steiner qui nous donne son opinion par rapport à James Keenan en disant que ce dernier ne connecte pas avec les fans, et que ce garçon va devoir peut-être apprendre à travailler. C'est vrai que James Keenan ne fait pas les performances du siècle non plus. Au niveau du show history, 473 000, on va reprendre, faut toujours se reprendre quand on dit mal, 473 380 viewers sur ce dernier show, ce qui est, je pense, un petit peu moins que la semaine dernière. Bon, pourtant on fait un bon show aussi, hein. Là, on n'arrête pas de faire des 78, on reste sur 3,78, mais on baisse au niveau du broadcasting et des nombres total de viewers. On n'a rien y comprendre, mais on améliore, je pense, quand même cette popularité et bien évidemment notre réputation. On est à 50 du côté de Puerto Rico, on est à 60 dans le Midwest, on est à 47 dans le Mid-South et dans le Northwest. Là, on est quand même plutôt pas mal. Et puis, je pense que bilan bimensuel financier, je pense qu'on est pas mal aussi. 9 080 $ de pertes. Ah, c'est pas extraordinaire, extraordinaire. Bon, de toute façon, on va essayer de faire nos shows encore dans le Mid-South et dans le Midwest, histoire de gagner le plus possible. Mais je pense qu'avec le cinquième show, cinquième événement spécial qui sera Blood and Guts, on arrivera à avoir une balance équilibrée en termes de finances à la fin du mois, je n'en doute pas une seconde. Petite ellipse de 72 heures pour moi, quelques dixièmes de seconde pour vous. Et oui, on fait comme Sturi, on fait les vidéos en plusieurs séquences, sur plusieurs jours, et surtout on est de retour avec une caméra qui, vous le voyez, bug un peu. Je suis flou, il y a des jeux de couleurs, enfin tout va bien. Nous sommes donc dans les backstage du troisième Rampage, donc de ce mois de novembre 2007. On a fait un peu plus de la moitié de notre mois de novembre et donc de notre vidéo. Il y a des incidents, on va tout de suite aller les traiter, ces incidents. Brandon Tomaselli, normalement ça devrait être positif. Qu'en est-il? Eh ben oui, effectivement, c'est positif, apparemment tout le monde est dans un bon mood, grâce à l'ami Brandon Tomaselli qui, a priori, a fait la cuisine pour tout le monde. Bah super, merci Brandon, il va peut-être s'associer
Bryan Danielson, qui je crois lui aussi avait cuisiné il y a quelques mois de ça pour l'entièreté du locker room de Dynamite. Donc peut-être que Brandon Tomaselli et l'ami Bryan Danielson vont un jour s'associer pour eh bien, faire fortune dans la restauration, qui sait peut-être après leur carrière. Je m'en vais booker le show de mon côté, puis comme d'habitude, vous le savez, on en parle juste après. Yabun Kunti Fairgrounds devant 1028 pèlerins, nous sommes bien sûr dans le Midwest pour le troisième Rampage de ce mois de novembre 2007, et nous commençons avec une belle promo d'ouverture 72 de rating. Alors comment est-ce que ça agence ce segment? Parce que vous voyez les protagonistes, eh bien on a Bobby Roode qui va faire irruption telle une furie dans le bureau du Million Dollar Man, qui était pourtant en train de partager un petit moment privé avec Barbara Kinnan. Hein, ça n'arrive que trop souvent ces dernières semaines, et Bobby Roode passablement énervé, vous l'imaginez bien, de s'être fait avoir face à Brandon Tobin sur un petit paquet, perdant donc le titre au profit du nouveau venu Brandon Tomaselli. Donc Bobby Roode ce soir, il veut ses mains sur Brandon Tomaselli et reprendre son titre. Mais Teddy Biasi Senior, hein, qui a pourtant un petit sourire très sympathique sur son visage d'avoir vu Bobby Roode, eh bien, être un petit peu remis à sa place, remis sur le droit chemin, sur les bons rails, va quand même lui annoncer que son rematch ne sera pas ce soir. Non, non, bah, certes, c'est dans sa clause qu'il a un match de championnat, qu'il ait l'opportunité de reprendre son titre, mais pas ce soir, puisque ce soir, bah, Bobby Roode va devoir se calmer. Il l'invite eh bien, à partir de l'arena. Voilà, d'ailleurs, il y a la sécurité qui va l'accompagner tranquillement, puisque ce soir, Teddy Biasi Senior eh bien, annonce que Cole Cabana et Brandon Tomaselli vont affronter l'équipe composée de James Keenan et donc de Tommaso Ciampa, les Money Incorporated, Tupendo. Donc, du coup, s'imagine que ça a l'air de bien Bobby Roode, qui en plus va devoir se casser de l'arène et regarder le main event dans sa voiture. Hein, voilà. Bon, ou dans sa chambre d'hôtel, puisque c'est vrai que les smartphones en 2007. Il n'y avait pas de télé dessus. Bref, petit segment sympa. Derrière, Lacey Von Erich et Reign font face à Edge Lee et Serena Deeb. Bon, c'est Reign, la semaine dernière, avait dit à Lacey Von Erich, on va faire équipe toi et moi la semaine prochaine. Hein, je vais te montrer que j'ai toujours ce qu'il faut, que je suis toujours digne de confiance et surtout que je suis toujours la leader de cette division féminine du côté de Rampage. Bon, match avec un petit peu de hit, du catch embarrassant. 6 minutes 47 de combat, des performances pas extraordinaires, 41 de Reign, 10 de Lacey Von Erich, 23 de Serena Deeb et 18 seulement d'AJ Lee. C'est une victoire d'AJ Lee et de Serena Deeb qui vont défaire Lacey Von Erich et Reign en 6 minutes 47 quand AJ Lee va défaire Reign via pitfall avec le Shiranui. Et oui, et encore Reign qui perd. Ah oui, elle perd, elle est d'ailleurs pas contente de perdre, de se mettre sur le cul. Je lui dis, tu vas te mettre sur le cul pour Edgy. Elle m'a fait, ah bon, t'es sûr? Pas très contente, pas très contente. Je pense que j'ai trop obligé de lui donner de l'argent. Et c'en est trop, trop pour Lacey Von Erich et pour le reste du roster féminin, donc en tout cas pour les Heels, qui vont attaquer tout simplement à l'issue de cette défaite de Reign. Eh bien, la soi-disant leader donc de cette division féminine de Rampage, puisque Reign va être tabassé par les sœurs Garcia, par Lacey Von Erich et par Angel Williams. Et ce qui va marquer, à mon sens, le face turn, oui, complet de l'ami Reign. Il va falloir que je change sa gimmick également. Et le turn se passe plutôt bien. Voilà, turn de Reign, j'en avais un peu besoin en fait. Je me suis dit que ça pouvait être le bon moment. Éventuellement, la faire passer du bon côté de la force. Et je profite de ce segment où elle se fait défoncer la tronche pour eh bien, mettre en place ce handle change. Derrière le main event, tout fait un bon 52 de rating, Money Incorporated face à Cole Cabana et Brandon Tomaselli, match pauvre, 52 quand même, avec des performances plutôt sympathiques, de 47 pour Tommaso Ciampa, de 31 pour James Keenan, Brandon Tomaselli en a 40 et 57 de Cole Cabana, ça commence vraiment à être très intéressant, 12 minutes 25 de combat, leur a laissé du temps et c'est une victoire des face Cole Cabana et Brandon Tomaselli, quand Brandon Tomaselli va défaire James Keenan via pitfall après l'intervention botchée de Bobby Roode, qui est quand même, malgré eh bien, les recommandations de Teddy Biasi Senior, resté dans l'arène, est intervenu dans le match, coûtant, c'était pas fait exprès on imagine, mais coûtant eh bien, la victoire à ses potes des Money Mans. Et oui, ce qui va peut-être encore un peu mettre plus de récifis dans l'air, sachant que c'était quand même assez tendu ces derniers temps. 51 de rating après ce show, qui est plutôt correct, on va pas se cacher, c'est un bon show, hein, 51 de rating pour notre show secondaire, on va pas s'en plaindre, ça reste quand même plutôt une belle petite performance, alors qu'on est dans le profil de Jamie Cox, que je ne connais pas, ce catcheur, il avait un air méchant, très méchant même, 0.05 de TV rating, alors je pense qu'on l'a fait un petit peu moins que la semaine dernière, non? Et oui, 0.06, effectivement, on perd 6 points par rapport à ce Rampage de la semaine passée, donc effectivement, je peux comprendre qu'on a eu un petit peu moins de viewers, ça joue pas à grand chose,
On perd un peu moins de, ouais, un peu plus de 2000 viewers. Bon, c'est pas non plus un drame, il n'y a pas Paris dans la demeure. Mais voilà, 57, c'était quand même un show la semaine dernière assez impressionnant. Et là, bah, du coup, on va se retrouver directement pour Dynamite, qui est, on rappelle, notre show A, où on va bien sûr continuer les histoires avec le retour de Steve Austin, bien évidemment, et cet affrontement avec Kevin Nash, qui est bien sûr dans les tuyaux, forcément, vous l'imaginez, pour le dernier pay-per-view, Blood and Guts, qui arrive fin du mois, et oui, qu'on a booké, dernier show de notre vidéo. Allez, c'est parti. On est dans les locker rooms, les petits potes du 3e AEW Dynamite, donc de ce mois de novembre 2007, puisqu'il y a des incidents backstage, on rappelle, rating à 97%, ce qui est proche de la perfection. Qu'en est-il de ces incidents Steve Austin et Ted DiBiase Senior? Alors ça, c'est la cour des catcheurs. Qu'a fait Steve Austin? Steve Austin a été amené à la cour des catcheurs, accusé d'avoir oublié de payer sa note au bar. L'homme qui boit des bières oublie de payer sa tournée, c'est quand même incroyable ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Ouais, non, mais comme quoi des fois il y a des trucs assez cocasses dans le jeu. Ted DiBiase Senior l'a rendu coupable et sa sentence est de payer à boire pour tout le monde, jusqu'au bout. Allez, c'est vintage, merci monsieur Ted DiBiase Senior, je boucle le show de mon côté, comme d'hab on en parle juste après. Emo Shea Fates Arena devant 9975 pèlerins, nous sommes dans le Midwest, région où on est le plus over et nous démarrons ce troisième Dynamite du mois de novembre 2007 avec de l'action et un match quand même qui a de la gueule, on va pas se le cacher. El Jericho face à Kip et Chuck, alors bien sûr sur le papier c'est face contre face, on va me dire bon c'est pas forcément ce que le public apprécie le plus, mais ça fait quand même un petit 77 et ça permet à El Jericho, eh bien, de prendre à nouveau du momentum. El Jericho qui on le vend en poupe depuis quelques semaines et avec ce match qui est caractérisé comme étant plutôt bon avec une décente réaction de la foule. Un match qui a quand même duré 14 minutes 20 format télé. El Jericho vont battre l'équipe de Kip and Chuck quand eh bien Kevin Steen va faire le tomber sur Chung Palumbo avec le package Pile Driver, des performances assez extraordinaires de la part de Kevin Steen. On a 84, 65 de Generico, Chuck Palumbo et Will Klink avec 56 et 72 pour Kim Jeps qui fait une performance plutôt correcte. Ça permet à la storyline El Generico contre les Young Wolves qu'on ne verra pas en tout cas pas totalement dans ce show, et eh bien de prendre un petit peu de hit. Oui, c'est quand même intéressant, soi-disant, hein. Derrière, grosse bataille, hein, grosse bagarre, les caméras qui vont directement dans les backstage, on entend des cris, on entend un gros bordel. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Christopher Daniels, Bryan Danielson qui sont en train de se foutre sur la gueule. Attends, les deux, ils n'ont pas réussi à débrancher par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc ça s'était terminé par double DQ avec bien sûr ce match tag team où Christopher Daniels avait fait équipe avec Steve Austin, Bryan Danielson avec Kevin Nash. Et là c'est en train de se foutre sur la gueule, apparemment c'est Christopher Daniels qui a commencé les hostilités. Paul Heyman essaie de les séparer, il se retourne vers Christopher Daniels, là si t'as un problème, si t'es chaud ce soir, il n'y a pas de problème, on va te trouver un opposant. Et Paul Heyman finit par booker un main event entre Christopher Daniels et Travis Fimmel. Bryan Danielson sera bien sûr donc à la table des commentateurs pour commenter l'action. Voilà, oui, c'est vrai que Maryse et Bryan Danielson, faut que j'enlève Maryse du management de Bryan Danielson. Il va certainement me le dire. Non, mais il va me le dire si j'enlève pas vite Maryse de son management, ça ne fonctionne absolument pas. C'est une alchimie dégueulasse. Derrière, petit six-woman tag bien sympathique avec Shayna qui fait équipe avec Jazz et Sweet Saraya face à Jetta, Gaikim et Nighty Nadart. Et bien figurez-vous que c'est une victoire des Heels avec Shayna qui va faire le tombé victorieux sur Nighty Nadart avec un powerbomb après 9 minutes 23 de combat, des performances de 52 pour Sweet Saraya, 55 pour Jazz, 58 pour Shayna, 49 pour Nighty Nadart, 44 pour Gaikim et 62 pour Jetta. On est en train de s'envoler, ça permet à la storyline bien sûr d'avancer. Et à l'issue de cette rencontre, remportée par Shayna, on va avoir une énorme confrontation avec Jetta, bien sûr, mais surtout Amazing Kong, qui, eh bien, va elle aussi prendre position par rapport à Jetta. Et elle fait un petit peu comprendre que s'il y a match de championnat, ce que Shayna a l'air quand même d'avoir obtenu par le biais de son avocat Ted DiBiase Senior, eh bien, Amazing Kong veut elle aussi en être. Voilà, hein, oula, t'imagines? Jetta, elle a fait face à Amazing Kong, elle va faire face éventuellement à Shayna, mais elle a jamais fait face à deux monstres en même temps. Là, c'est pareil, mission impossible sur le papier. Derrière, Steve Austin, petit match storytelling qui fait face à John Moxley. Alors, c'est histoire de voir un petit peu Steve Austin et voir aussi John Moxley qui fait son retour depuis le fameux Triple Threat match qu'il a perdu. Hein, puisqu'on a vu ce Triple Threat match entre les membres du Dark Angel se terminer par un Tyler Black qui fait un petit paquet sur l'ami Kevin Nash.
John Moxley, il va perdre contre Steve Austin, 9 minutes 07. Victoire via Stone Cold Stunner, jusque-là, rien de bien particulier. Steve Austin, performance de 77. Et John Moxley, on est à 60. On permet à cette historienne Dark Angel de gagner de la hit, forcément. Tamina Snitch, petit segment sex appeal, un peu léger avant le main event. Ça fait bien le taf, 62. Et le match, le dernier pour clôturer le show, 80 entre Travis Fimmel et Christopher Daniels, sur un bon petit main event des performances de 77 et de 50. Oui, pour Christopher Daniels et Travis Fimmel, apparemment, ça ne clique pas, mais ça fait quand même un 80. On va pas s'en plaindre, match avec de grande hit et du décent catch, où Christopher Daniels va défaire Travis Fimmel en 11 minutes 42, via Pinfall et le Angel Wings, complètement clean. Bryan Danielson était à la table des commentateurs, et vous imaginez bien qu'il n'a pas du tout apprécié le spectacle. Fin du show, et ça nous fait un bon petit 77, où on améliore bien sûr notre popularité. Dans les 15 régions où nous sommes diffusés, on va bien sûr, bah, petit à petit, s'en aller vers la dernière semaine de booking et vers le Go-Home Show de notre pay-per-view Blood and Guts, dernier pay-per-view de notre année 2007, TV rating de 0,62. 0,62, alors qu'il faut peut-être. Oui, Rain, alors attends, pendant que je vois ça, on va lui donner le bonus à Rain, lui donner ses 5 000 $ avant qu'elle me fasse la gueule et qu'elle décide de partir. Voilà, elle est contente, tout va bien. Donc, au niveau du show history, de manière assez. Claire, nette et précise, 740 000 viewers via la TV, c'est un petit peu moins que la semaine dernière. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on a fait un point de moins. On restait sur 3,78 en show rating. Là, on fait un 77, c'est un petit peu moins bien, mais ça reste vraiment très solide. Hein. Je l'ai dit et répété, maintenant, c'est 70 minimum. Si on peut passer les 75, c'est bien. Tutoyer les 80, c'est génial. Là, on est vraiment dans une lancée qui est très intéressante et j'espère que ça va être aussi. Prémonitoire pour ce qui va arriver, notamment Blood and Guts, pay-per-view dont j'attends énormément, je pense que vous l'imaginez. Une petite nouvelle gossip en ce vendredi, les gens, pour vous dire que Nick Jackson, eh bien apparemment, s'est séparé de la personne, eh bien avec qui il sortait, personne a priori qui vit en dehors du business du catch. Nick Jackson, bah on espère que ça va pas trop l'affecter, et notamment ses performances qui sont déjà pas bien glorieuses dans le ring, si on venait à le réutiliser. Voilà, petite news gossip, je vous en ferai ce que vous voudrez, je me suis dit bon, je peux vous la montrer éventuellement, on est toujours friand de ce qui se passe, oui, dans les vies privées, dans les backstage, oui, il se passe tellement de choses IRL, bah, il s'en passe aussi dans notre réalité virtuelle avec TUW, c'est magnifique. Tiens, tiens, Reign, qui en plus de me faire la gueule, décide eh bien d'augmenter sa casque, ou tout du moins eh bah, de m'imposer cette augmentation de casque. Elle est apparemment payée 600 $ par apparence, elle veut 850 $ de plus. Bah, tu sais quoi? Je vais te donner tout ce que tu veux, les 250. Voilà, elle est contente de l'action. Comme ça, si on la fait paumer, elle se dira, eh bah, c'est pas grave, le monsieur, il a été gentil, il m'a donné ce que je lui ai demandé. Bon, 250 $ de plus, c'est pas très énorme par rapport à ce qu'on peut donner à des Bryan Danielson quand il demande une augmentation de casque de plus de 1 500 $ par apparition. Voilà, 250. Même si on n'est pas dans une balance positive, je pense qu'on peut quand même se le permettre. Allez, direction les backstage du dernier Rampage de ce mois de novembre 2007. Nous avons 100% dans les locker rooms, mais pourtant des incidents. Alors, on va les traiter bien sûr ces incidents. Ça va, ça c'est positif. C'est des tips qui sont donnés de par Terry Funk pour ses protégés. Donc James Keenan apparemment, eh ben, il a des tips pour travailler au micro. On a John Moxley qui, eh bien, a priori. Et aussi quelques conseils de l'ami Terry Funk, mais cette fois-ci des conseils pour travailler en tant que babyface. Bon, il est heel, c'est pas forcément le meilleur des plans. Et puis Tommaso Ciampa qui a aussi des cours et des tips pour travailler ses performances au micro. Tommaso Ciampa qui, je pense, est pas si mauvais au micro que ça sera peut-être intéressant de lui donner un peu plus de liberté donc scénaristique et lui permettre pourquoi pas de parler un petit peu plus parce que c'est pas si mauvais que ça au micro. Bah écoute, des incidents très très positifs, on va booker le show puis on va en parler juste après une fois que j'aurai terminé de faire les choses de mon côté. De retour au Yabun Kunti Fairgrounds devant 998 pèlerins où on commence le show un petit peu moins bien quand même, on va pas se cacher que la semaine dernière normale on parle de garçons qui sont un peu moins populaires, mais c'est pas grave, ça permet quand même eh ben, de faire avancer les storylines et surtout faire poursuivre le programme qu'on a décidé de porter à l'écran. Ted DiBiase Senior qui est dans son bureau et qui essaie de garder le contrôle de la situation entre
Bobby Roode, Tommaso Ciampa et James Keenan, parce que c'est le bordel, Bobby Roode, qui la semaine dernière, eh bien, malgré les recommandations de Teddy Bessie Senior de quitter l'arène, en plus avec la sécurité, eh bien, Bobby Roode est quand même revenu et a coûté la victoire, eh bien, à Tommaso Ciampa et à James Keenan, et forcément, ça se plaint, Tommaso Ciampa, qui lui dit, t'aurais dû rester loin, donc, de notre match, t'aurais dû quitter l'arène, comme on te l'avait demandé, finalement, t'es revenu, tu as porté une attaque, as touché James Keenan. Alors est-ce que c'était fait exprès, pas exprès, j'en sais rien, parce qu'il y a beaucoup de tensions. Tommaso Ciampa qui limite indirectement accuse Bobby Roode d'avoir fait exprès, d'avoir frappé James Keenan. Donc on est en train un petit peu de scraper un peu le chignon, ça revient pratiquement aux mains. Bobby Roode qui veut un rematch, qui dit deux glands comme vous n'auraient jamais dû avoir le main event, c'est moi qui aurais dû avoir le main event, j'aurais dû avoir mon match de championnat, mon rematch pour reprendre mon titre des mains de Brandon Tomaselli, qui est en train de faire perdre du prestige cette ceinture qui a été créée pour moi. Voilà, il le crie, il le dit, Bobby Roode il est fin fou, et puis on a un Teddy DiBiase Senior qui voit que la situation, eh bien, va lui échapper, qui annonce que ce soir, les trois membres du Money Man's vont quitter l'arène, mais que cette fois-ci, ce sont les Marshall qui vont, eh bien, s'en charger. Il a appelé les Marshall vont se prendre en charge Tommaso Ciampa, James Keenan et Bobby Roode et les faire sortir de cette arène, puisque Teddy DiBiase Senior ce soir annonce que Brandon Tomaselli vient faire face à Cole Cabana dans le main event pour le titre intercontinental. Et donc il ne veut pas qu'il y ait tout simplement un gros bordel durant ce match et qu'il y ait des interventions de Bobby Roode, de Tommaso Ciampa, de James Keenan, parce que eh ben voilà, ces garçons-là qui sont sous sa houlette sont en train un petit peu de péter les plombs. 48 de rating, ça fait à peu près le taf. Derrière, Nikki Garcia et Brianna Garcia, les sœurs Garcia, vont affronter Gilly et Serena Deeb, et c'est un match abyssal. Oui, 23 de rating, des performances qui sont pas bonnes. Brianna Garcia et Nikki, bah, c'est 13, 25 pour Serena Deeb et 22 pour Gilly. On a augmenté par rapport à la semaine dernière. C'est Gilly et Serena Deeb qui, sans surprise, vont battre les sœurs Garcia en 6 minutes 52 quand Gilly va défaire Brianna Garcia via pinfall avec le Black Widow. Mais derrière, grosse attaque d'Angel Williams et de Lacey Vanderrich sur la tronche de Gilly et Serena Deeb qui veulent faire passer un message. Voilà ce qu'elles ont fait faire, ce qu'elles ont fait subir à Reign, elles le font subir désormais à Gilly et à Serena Deeb, même si c'est un peu moins impactant dans l'idée, pour tout simplement marquer leur territoire, à se positionner en tant que force dominante de cette division féminine au sein de Rampage. Et enfin, le main event qui nous fait un petit 42, on va pas faire un bon show, ça c'est clair, net et précis. Match entre Brandon Tomaselli et Cole Cabana, et apparemment ça ne clique pas entre Brandon Tomaselli et Cole Cabana. Bon, ok, très bien. Il y a des segments un petit peu malaise, match pauvre, je veux bien l'entendre. 34 de performance in-ring pour Brandon Tomaselli, 46 pour Cole Cabana. Effectivement, c'est loin de ce qu'ils sont capables de faire initialement. Et c'est Brandon Tomaselli qui, sans surprise, en 13 minutes 23, va défaire Cole Cabana et donc faire sa première défense du titre intercontinental. Ce qui signifie que Bobby Roode, quand il aura son rematch, eh bien, il l'aura face à Brandon Tomaselli. Voilà, qui est toujours champion intercontinental et donc champion de Rampage. Ça fait 40, 40, très mauvais show. Là, on risque de vraiment faire un nombre de viewers loin d'être joli par rapport à ce qu'on a pu faire sur les semaines précédentes. 40, c'est vraiment pas un bon show. 57, 51, ok, très bien. 40, ça commence à être compliqué, hein, niveau qualité. Bon, on fait quand même 0,05, mais ça m'étonnerait pas qu'on fasse moins de viewers dans le détail que celui de la semaine dernière. Et oui, on fait un petit peu moins, c'est normal, mais là, on a vraiment baissé. On a fait 57. On a fait 51 et là on repart sur du 40. Ouais, 40, ouais, comme le show finalement du premier de la première semaine du mois de novembre. On fait 40. Ouais, c'est pas du tout, du tout, du tout un bon score. On va se rattraper, on espère en tout cas du côté de, eh ben de Dynamite, qui sera notre premier show. Et qui, je le rappelle, est le go home show du dernier pay-per-view de l'année, à savoir Blood and Guts. Oh là là! Regardez-moi ça! Énorme note! 100! Un énorme 100 pour commencer! Le Go Home Show d'AEW Blood and Guts. On est au Emo chez Fates Arena. 10 097 pèlerins. Et on démarre avec un angle, mais chaud de Dieu, la signature de contrat entre Steve Austin et Kevin Nash, qui, bien sûr, va être modéré par Paul Heyman, forcément, s'il n'y a pas le chairman de la fédération, enfin, en tout cas, le manager, general manager, décideur. Paul Heyman, durant ce segment, ça le fait pas, et forcément, vous imaginez bien que durant cette signature de contrat, qui va être électrique,
on va forcément s'échanger quelques amabilités entre Steve Austin et Kevin Nash. Kevin Nash qui n'est pas heureux, hein, il le dit, il le répète, d'affronter Steve Austin, personne qu'il a battu déjà deux fois. Pour lui, ce n'est pas de la vraie concurrence. Pour lui, eh bien, il ne devrait pas être en mesure de le re-challenger une troisième fois. C'est une faute professionnelle de la part de Paul Heyman, selon le champion Kevin Nash. Et puis Steve Austin rétorque que cette fois-ci, il n'a plus personne, Kevin Nash, autour de lui pour tout simplement, eh bien, l'aider dans sa tâche de conservation du titre. Donc Steve Austin part avec un gros ascendant sur un Kevin Nash qui clairement n'emmène pas large. Hein. Il essaye de paraître fort, de paraître déterminé et surtout méchant, mais on sent que Steve Austin a quand même un avantage assez prononcé dans ce segment, aussi bien par rapport aux arguments que par rapport aussi au soutien du public qui, vous l'imaginez, est totalement acquis à la cause donc de Steve Austin. Kevin Nash paraît bon dans le segment, il a été très bon également pour aller en dehors du script, tout comme Steve Austin. Paul Heyman a été parfait également. On fait une énorme note de 100. On ne pouvait pas mieux commencer ce Dynamite Go Home Show, on le rappelle, de Blood and Guts. Derrière, Tamin Sitch va retrouver Bryan Danielson backstage. Et Tamin Sitch va informer Bryan Danielson que ce soir, il va être dans un Beat the Clock Challenge avec Christopher Daniels et que le vainqueur de ce Beat the Clock Challenge pourra bien évidemment, décideur de la stipulation, donc du côté de Blood and Guts pour le T. NXT Championship, donc celui qui gagnera son match avec le moins de temps, en le moins de temps, sera celui qui décidera de cette fameuse stipulation. Bryan Danielson est prêt à aller à son match et il affronte l'ami Kip James dans un match que j'ai mis en Steal the Show et ça fait un très bon 81. Je ne m'attendais pas à moins bien, on va pas se le cacher, les performances de 73 pour Bryan Danielson et de 65 pour Kip James, la popularité de catcher et puis le booking, je pense, a bien aidé cette belle note de 81. Match avec une grande 8 et du bon catch. Bryan Danielson qui défait Kip James en 12 minutes 08 via pinfall avec le Dragon Suplex. Performance très intéressante de Bryan Danielson qui remporte la rencontre complètement clean, même si Maryse était aux abords du ring. Ensuite, on retombe backstage avec Claudio Castagnoli qui cherche Amazing Kong en vain et puis il va finir par tomber dessus et il veut des explications sur ce qui est en train de se passer avec Amazing Kong qui ne répond plus au téléphone, qui a priori n'est pas allé voir Roddy Piper à l'hôpital. Amazing Kong, qu'est-ce qu'elle fait? Là, il n'arrive plus à retrouver de la communication et une connexion avec elle pour aller quelque part reprendre ses titres par équipe. Il le dit, Claudio Castagnoli est en train de se faire crier la priorité par El Generico et Kevin Steen, l'équipe El Generico. Et ce soir, si on veut pouvoir affronter les champions, les Steiner Brothers, et les reprendre les ceintures, il faut combattre El Generico et Kevin Steen. Sinon, on est baisé. Et Claudio Castagnoli insiste bien sur ce point-là. Et Amazing Kong, forcément pas très réceptif, pas très intéressé à première vue, va être aidé dans le dialogue par Don Callis, qui va se présenter à Claudio Castagnoli comme étant le nouveau manager, le nouveau avocat d'Amazing Kong. Voilà, alors Don Callis, c'est pas le Don Callis de la All Elite Wrestling qu'on connaît en 2023, mais enfin quand même. Et il nous dit que Amazing Kong sera présente ce soir dans le main event, parce que ça reste intéressant de pouvoir jouer un titre par équipe. Donc Claudio Castagnoli, faut pas qu'il s'inquiète, ce soir Amazing Kong sera dans le main event pour, pourquoi pas, permettre à Amazing Power d'aller chercher cette spotlight de challenger numéro 1, de reprendre les titres des mains des Steiner Brothers, équipe qui, on le rappelle, les avait battus pour reprendre les titres. Et oui, hein, il faut quand même le signifier. Hein. Alors, il y avait eu un impact psychologique assez important des Steiner Brothers qui avaient attaqué, avant ce combat-là, on s'en souvient, l'ami Roddy Piper. Bon, 55 de rating, sympathique, même si la gimmick de Don Callis est à revoir. Non, pas du tout. Derrière, Christopher Daniels va faire face à Balls Mahoney, puisque il doit affronter lui aussi un catcher, et c'est Balls Mahoney qui va se pointer. Et match plutôt bon, hein, sur le papier, ça nous fait 78, performance de 86 pour Christopher Daniels, 55 pour Balls Mahoney. Et c'est Christopher Daniels, bien sûr, qui va remporter la rencontre, vous l'imaginez bien, avec le BME en 9 minutes 08, soit un peu moins de 3 minutes de mieux que Bryan Danielson, ce qui signifie que Christopher Daniels aura le choix de la stipulation du côté de Blood and Guts pour son affrontement face à Bryan Danielson pour le TNT Championship.
Renamero, petit striptease, voilà, histoire qu'on ait un segment sex appeal un petit peu léger avant le main event, histoire que ça détende l'atmosphère avant, et bien ce gros affrontement, ce choc des titans entre El Generico et Kevin Steen, et bien sûr Amazing Power, Amazing Kong et Claudio Castagnoli, match de challenger numéro 1, les Steiner Brothers, vous imaginez bien, vont être présents sur la rampe du ring pour surveiller l'action, et on fait un peu petit 76, je pensais qu'on allait avoir un petit peu mieux quand même. Voilà, parce que les performances normalement doivent être intéressantes. Hein. Pas tant que ça, 57 d'Amazing Kong, 65 de Claudio Castagnoli, quand même 84 et 70 d'El Generico et de Kevin Steen. Un petit peu déçu la note finale, mais bon, ça reste une note dans le vert, au-dessus des 75. Match avec du bon catch et une décente réaction de la foule. Normal, c'est face contre face, donc les gens ont du mal quand même à prendre parti. Et ça va être une victoire d'El Generico, qui vont défaire Amazing Power en 15 minutes 17 quand Kevin Steen va défaire Claudio Castagnoli via pinfall avec le package pile driver. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme dans le match face aux Steiner Brothers, Claudio Castagnoli va être laissé tomber par Amazing Kong. Amazing Kong qui va se faire chuchoter à l'oreille quelque chose par Don Callis. Et ce quelque chose, on va l'entendre. A priori, il a cette match de championnat de féminin, hein, avec un triple threat qui est annoncé par Paul Heyman. Don Callis a eu l'information et il dit à Amazing Kong, ne t'emmerde pas avec ce titre par équipe. L'objectif, c'est le titre féminin mondial. Et Amazing Kong, sous les bon ou mauvais conseil de Don Callis, va abandonner et laisser à son sort l'ami Claudio Castagnoli. Kevin Steen et Generico qui sont un petit peu embêtés, forcément, vous l'imaginez bien, gênés de la situation pour Claudio Castagnoli, mais bon, ils vont quand même en profiter. À 2 contre 1, c'est plus facile. Victoire de Kevin Steen qui fait tomber sur Claudio Castagnoli et Generico vont affronter les Steiner Brothers lors du prochain gros événement qui se tiendra samedi dans le jeu, donc dans quelques jours. Eh oui, 76. Ça fait une bonne fin de show et on fait un énorme 82, forcément, vous imaginez bien que le sang du premier segment a contribué de manière assez importante à la note finale du show. 82, la meilleure s'est popularisée dans les 15 régions. Franchement, un très très bon go home show. Je vais pas vous dire que je m'attendais à moins, mais je suis bien content qu'on ait fait un go home show de cette qualité-là. Ça permettra de donner une hype vraiment très importante avant le gros pay-per-view. Des ratings de 0.66. Alors, est-ce qu'on a fait mieux que la semaine dernière? Eh ben écoute, oui, largement mieux. Là, on fait 500 000 viewers. Là, assez intestable, 500 000 viewers, 82 de rating. Franchement, que demande le peuple? Scott Steiner, qui a quelques heures de Blood and Guts, où bien sûr il remettra en jeu ses titres par équipe avec son frère, nous demande une augmentation de sa casque, payé 2 500 $ par apparence, c'est moins que les 3 510 qu'il vaut, et ben ça sera 75% voilà, de ce qu'il me demande, parce que, contrairement à Reign, là c'est quand même un gros trou dans le budget de la fédération. Non mais bon, on a des moyens, mais bon, il va se calmer quand même, gentiment, hein, voilà, on n'est pas non plus une pompe à fric. Hein, faut pas nous prendre pour des cons, on n'est pas WWE, monsieur Scott Steiner. Un peu de respect, oui, un peu de tenue. Allez, let's go pour le dernier show de la vidéo. On est au PR Mario Morales, Coliseum. Nous sommes à Puerto Rico devant 5500 pèlerins pour ce qui est le dernier pay-per-view de notre année. Blood and Guts, et nous démarrons les hostilités avec du catch, bien sûr, et le traditionnel match de championnat du monde par équipe. El Generico, les challengers, face aux Steiner Brothers avec comme enjeu principal. Est-ce qu'El Generico va enfin arriver à conquérir ses titres, eux qui butent ces derniers mois, ces dernières années sur la dernière marche? Et bien après 17 minutes 58 de combat, on a laissé du temps, un match de catch très bon et une bonne hit. Et bien malheureusement pour El Generico, les Steiner Brothers vont conserver les championnats par équipe, puisque Scott Steiner va défaire El Generico via pinfall avec le Steiner Razor. Et pourtant, El Generico était largement supérieur aux Steiner Brothers, ils avaient l'avantage. Ils auraient certainement dû être champions du monde. Malheureusement pour eux, Travis Simmel est venu mettre son nez dans leur business, coûtant du même coup et bien les titres et un premier reign à cette équipe avec lesquelles ils sont en rivalité. Victoire donc des Steiner Brothers qui font leur première défense de titre, 82 de rating global, performance de 88 pour Kevin Steen, 86 pour El Generico, Rick Steiner est à la traîne, 42 et 83 pour Scott Steiner, meilleure performance à mettre au crédit de Kevin Steen et d'El Generico qui étaient largement au-dessus. Derrière, excusez-moi, petit rototo, Tamini Stitch qui retrouve Christopher Daniels. On essaie de souffler un petit peu. Christopher Daniels nous explique que ce soir, son match de championnat TNT face à Bryan Danielson sera un match en cage
parce qu'il veut aucune intervention possible durant ce combat face à Bryan Danielson pour lui apprendre les bonnes manières. Christopher Daniels veut ce match-là pour être sûr à 100% qu'il aura Bryan Danielson, le soi-disant slayer de la Lolita Wrestling, one-on-one, dans finalement une structure qui lui permettra de ne pas pouvoir s'échapper. Voilà, Christopher Daniels, bonne promo, 71 de rating. Forcément, comme on est à Puerto Rico, Tamina Snitch, elle a un petit peu de mal avec la barrière de la langue, mais la performance de Christopher Daniels est fantastique. Et c'est ce qu'il faut retenir. Derrière, Amazing Kong face à Jetta, face à Shayna, match pour le championnat féminin de la All Elite Wrestling. Et c'est jugé comme étant un match décent avec des performances plutôt sympathiques de 53 pour Amazing Kong, quoique un petit peu à la traîne. 60 pour Jetta et 57 pour Shayna. 60 de rating global. Match décent qui va durer, on le rappelle, 10 minutes 31 et qui va avoir la victoire de Shayna qui va faire le tomber sur Jetta via pinfall après un powerbomb et l'intervention de Ted DiBiase Senior qui eh bien, est intervenu pour les intérêts de sa cliente Shayna, donc remporte le championnat féminin et donc la nouvelle championne féminine de la All Elite Wrestling. Et Jetta, un petit peu groggy, qui sait pas trop ce qui s'est passé, et Amazing Kong qui forcément est agacé, vous l'imaginez, bah oui. Derrière, on retrouve un petit peu de calme avec Tamina Snitch qui est avec Brandon Tomaselli dans les backstage. Et Brandon Tomaselli nous explique pardon, que ce soir, eh ben, il n'est pas là en visiteur. Dans la tenue de catch, il a la ceinture sur l'épaule. Ce soir, Paul Heyman lui a autorisé une défense de titre de son championnat intercontinental. Brandon Tomaselli remercie forcément Paul Heyman pour cette opportunité, machin. Il est chaud, il est. Voilà. Et il prendra l'adversaire que Paul Heyman lui a concocté, puisque c'est Paul Heyman qui l'a invité, donc forcément Paul Heyman choisit l'adversaire et il sera content de pouvoir affronter l'adversaire choisi par Paul Heyman. Brandon Tomaselli, 40. Les performances sont pas forcément extraordinaires, mais ça reste un petit angle pour hyper, on va dire, ce match de championnat intercontinental qui n'était pas forcément prévu à la base. Et c'est Chris Hero qui va donc se ramener face à Brandon Tomaselli. Match qui va nous faire un 51 de rating plutôt solide avec une performance de 41 de Chris Hero et 46 pour Brandon Tomaselli. Brandon Tomaselli qui est dans un match avec un petit peu de hit et pas beaucoup de catch, hein, parce que ce bar wrestling c'est quand même pas extraordinaire. Et ben, il va conserver son titre intercontinental après 8 minutes 49 de combat. Victoire via pinfall complètement clean et donc deuxième défense du titre intercontinental pour l'avenir. Brandon Tomaselli qui est donc toujours le champion de Rampage. Derrière, le fameux match en cage, ouais, concocté, décidé par Christopher Daniels, il affronte Bryan Danielson, et vous voyez déjà un 83 de rating global, des performances à 85 pour Christopher Daniels, Bryan Danielson est à 75, j'ai toujours pas enlevé Maryse du management de Bryan Danielson, alors que Maryse pourtant fait du bon boulot, c'est rapporté, match où j'ai quand même laissé du temps, 17 minutes 17, match en cage bien violent, je leur ai demandé de voler le show. Et bien surtout, Bryan Danielson va voler Christopher Daniels, puisque Bryan Danielson va arriver à s'échapper de la cage. Et oui, Christopher Daniels ne pourra pas m'échapper, il n'y aura pas d'intervention. Bah si, il a un peu oublié le fait qu'on pouvait s'échapper de cette cage, et qu'on pouvait gagner le match en sortant de cette cage. Et Christopher Daniels s'est retrouvé à 2 contre 1, parce que, bien évidemment, Travis Fimmel est venu intervenir dans le match. Il a réussi à rentrer dans la cellule et ça a été du 2 contre 1 et a retenu Christopher Daniels quand Bryan Danielson essayait de pouvoir s'échapper de la cage. Bryan Danielson avec la complicité de Maryse et Travis Fimmel va donc devenir le nouveau champion de la TNT. Pas bien joli la façon dont il l'a fait, mais Bryan Danielson a donc désormais la ceinture secondaire de la fédération sur ses épaules. Et Astoria, bien sûr, gagne de la hit. Bah, c'est normal, non, de Dieu. Derrière, Lacey Van Erich, un peu pour calmer la foule avant le main event, il va faire un petit striptease sympathique, segment un petit peu plus léger, hein, où on voit des attributs, les fans pervers de la Lolita Wrestling sont contents, parce que Lacey Van Erich, il a quand même du sex appeal, hein, bon, quand même. 82, le main event, 82, j'avais un peu peur, mais non, pourquoi j'ai peur Steve Austin, attends, sans déconner, il fait le taf, alors bien sûr, quand tu vois la performance de... J'allais dire de Kevin Nash, mais il s'est enfin bougé le cul, il a dépassé les 65 avec Kevin Nash. 68, a failli passer les 70, quand même. Bon, Steve Austin, 90, il s'est envolé. 82, donc, de rating global pour le match de, donc de championnat de la All Elite Wrestling. Exceptionnel match, c'est défini comme tel, hein, à un public qui était complètement investi. 14 minutes 24, ça n'aura pas duré non plus extrêmement longtemps, mais il s'est passé beaucoup de choses dans ce match. Ouais, parce que c'était très serré jusqu'au bout. Steven Austin, Kevin Nash, ça s'est rendu coup pour coup. Forcément, l'arbitre était un petit peu plus tolérant par rapport à ce qui se passait, notamment à l'extérieur du ring. Mais
Là où vraiment on va voir déjà un premier tournant, c'est quand John Moxley va intervenir. Ouais, parce que John Moxley, il est intervenu durant ce match. Je l'ai mentionné dans les Road à John Hunt. John Moxley qui est intervenu pour essayer d'aider Kevin Nash. Malgré tout ce qui s'est passé, il essaie d'aider Kevin Nash. Et Steve Austin est en difficulté, on se dit, il va pas réussir. Et là, au moment où on se dit que c'est fini, Tyler Black fait son retour sous les hurrahs de la foule et va attaquer Kevin Nash, ce qui va permettre de donner un avantage à Steve Austin, de remettre l'église au milieu du village, de rééquilibrer la balance. Et Steve Austin, grâce à son Stone Cold Stunner, va remporter le championnat de la All Elite Wrestling et devenir le nouveau champion du monde de la fédération de l'élite. Steve Austin est au top du game et cette intervention et ce retour de Tyler Black qui coûte la victoire à Kevin Nash me permet de faire tourner complètement Tyler Black et le turn se passe super bien. Bah, tu m'étonnes qu'il se passe super bien. Ça aurait pu même être un succès complet. Steve Austin va donc devenir champion du monde de la All Elite Wrestling. On améliore de popularité dans les 15 régions où on est diffusé. Alors forcément, je pense qu'on va pouvoir faire un petit câlin à Kevin Nash parce que franchement, c'était un bon petit reign. Et la storyline n'est pas terminée, on va pouvoir aussi féliciter Christopher Daniels et je pense également Bryan Danielson, on va leur faire, je pense, un hug et les féliciter pour leur grande performance parce que franchement, ça a été un très beau match. J'aurais pu aussi faire un petit discours pour Kevin Steen et El Generico, malheureusement, il n'y a pas la place, hein, là, il n'y a que trois speeches qu'on peut faire, donc on va essayer de conserver l'attention déjà des trois garçons. Qui nous intéresse, Kevin Nash a paru content de mon speech, Christopher Daniels également, et Bryan Danielson a été très content de mon speech. Voilà. Magnifique. Magnifique comme le profil d'ailleurs d'Adam Pearce, qu'on connaît aujourd'hui bien sûr avec son rôle pour la WWE et dans les backstage. Hein, un rôle de figure un peu d'autorité, le garçon. Ah là 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 là, très bon show, hein. 0,68 de TVA rating, effectivement, là on a voyé le pâté, hein, 78 encore. Décidément, on fait des très bons shows, hein. Les 75 maintenant, c'est le minimum syndical, hein, pour un Dynamite. On fait sell-out, 517 000 personnes qui étaient présentes. Et on pète notre record par rapport à Dynamite. Là, franchement, c'est vraiment un pay-per-view extraordinaire qui se conclut avec la victoire de Steve Austin qui va donc chercher son deuxième reign un an après avoir perdu eh bien, son titre face à Kevin Nash. Et oui, c'était à Blood and Guts. En 2006, c'est vous dire, ça commence à remonter. Et ouais, bah en même temps, ça fait presque 3 ans de booking avec notre All Elite Wrestling. Que voulez-vous? Le temps passe, le temps file. Et on continue à s'améliorer, à gagner de la popularité, de l'importance partout. C'est quand même magnifique. 1er décembre, les gens, et forcément début de mois qui rime avec énormément de nouvelles, avec notamment eh bien, des informations par rapport à nos deals donc de télévision qu'il va falloir renouveler parce que ouais, ça va plus, là, ça se termine dans une journée, c'est n'importe quoi. Booking aussi, position qui est désormais disponible à la KPWA, je ne sais pas ce que c'est que cette fédération créée en décembre 2007, bah oui, il y a toute nouvelle, ah oui, bah, en Angleterre en plus, magnifique. De Claudio Castagnoli qui a fini son tour avec la SGPW, magnifique. Claudio Castagnoli qui voit la Dragon Gate lui faire une offre de contrat. J'imagine que c'est de la tournée, non? Oui, c'est de la tournée, bien sûr que c'est de la tournée, c'est toujours de la tournée la Dragon Gate, enfin c'est toujours de la tournée, jusqu'à temps que ça soit autre chose, hein, bien évidemment. El Generico, Dragon Gate, bah oui, bah, El Generico, j'imagine qu'aussi c'est de la tournée, si Claudio Castagnoli c'est comme ça, bah oui, forcément, et la Dragon Gate, et la JPW, hein, qui veulent effectivement El Generico. Bon, bah écoute, vas-y, va progresser là-bas. Christopher Daniels, Dragon Gate, bon, j'imagine que. C'est une reprolongation de contrat, donc c'est toujours de la tournée. Pas besoin de beaucoup s'inquiéter. Samoa Joe, c'est pour la C4. Bon, Samoa Joe, normalement, ça devrait pas le poser problème. Il était déjà là-bas. Il est champion du monde de la NWA, d'ailleurs. L'ami Samoa Joe, ça fait un moment qu'on l'a pas utilisé. Christopher Daniels, bon, on a bien compris. IGPW, c'est tout bon. Pas de soucis, pas d'angoisse. On peut enlever toutes ces nouvelles. Pas vraiment grand-chose de très, très intéressant. En revanche, ce qui va nous intéresser, eh ben, c'est. Les finances. Les finances, et on a perdu de l'argent. Oui, 78 000 dollars de perdu. De Dieu, ça fait mal. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas fait forcément les shows là où on était le plus populaire. Et c'est vrai que notre show, notre pay-per-view, Blood and Guts, du côté de Puerto Rico, nous a peut-être un petit peu plus mis dans le mal que si on l'avait fait du côté du Midwest. Puisque c'est vrai que dans le Midwest, je pense qu'on aurait pu, si on avait fait show dans le Midwest, Blood and Guts, dernier pay-per-view de l'année dans le Midwest, on aurait peut-être pu avoir une balance à peu près équilibrée. Mais bon, je choisis de gagner de la popularité. Et je pense que d'ailleurs, ça a été récompensé.
Hein. Non, on est à 50 à Puerto Rico. Non, on n'a pas pris de points, mais ça reste plutôt pas mal, avec notamment un Northwest qui est à 48, comme le Mid-South. Hein. Midwest, forcément, on continue à s'envoler, on est à 61. Bon, ça va, en termes d'importance, je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre. Même si, comme j'ai dit à répéter, hein, au début, enfin, en tout cas, sur ce passage au niveau culte, c'est très compliqué au début d'avoir beaucoup de retombées économiques. C'est vrai qu'il faut avoir les reins solides et on va perdre de l'argent, un petit peu comme on l'avait fait en début de carrière. Et puis ensuite, bah, on va arriver à stabiliser et puis forcément faire du positif. Vous l'imaginez bien, hein, sinon c'est pas rigolo. Bon, un point sur la hit des storylines, le prestige des titres, et ensuite, on s'en ira tranquillement. Voilà, on se retrouvera pour une autre vidéo et le booking complet du mois de janvier la semaine prochaine. Hein, vous avez l'habitude, désormais, c'est une vidéo chaque semaine de TEW. Champion Slayer, qui concerne donc Brian Danielson et Christopher Daniels. On est à 83 de rating. Jerry Keogh contre Young Wolves. On est à 78, 64 pour Female Monster, 53 pour Dark Angel. Et pour les Money Man, on est à 49. Bon, on a perdu un petit peu de hit, mais on arrivera à en regagner le mois prochain, je m'inquiète pas trop. Au niveau du prestige des titres, bon, Brandon Tomaselli, on est à 48. On est à 62 pour le titre féminin, 85 pour le titre masculin. Mais on le rappelle, comme on l'a passé en Size Occult, forcément, le prestige baisse un petit peu parce que c'est de plus en plus difficile d'avoir un gros prestige et ce sera encore pire quand tu passeras au niveau national et international. Croyez-moi, c'est quelque chose qu'on va très vite retrouver. 85 aussi, c'est le prestige des titres par équipe et c'est aussi celui du championnat TNT qui a été, on le rappelle, volé par Brian Danielson. Parce que pas gagné très clean face à Christopher Daniels, mais bon, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Septième champion TNT de l'histoire de la fédération. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, les gens. Je traiterai aussi des moral issues parce que ça sera important quand même de faire le tour de tous ces garçons et ces filles qui se plaignent un peu et qui ont le moral dans les chaussettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain. Vous connaissez les bails. C'est totalement gratuit. Et on se retrouve désormais pour une prochaine vidéo de sport ou de TEW. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.